Même thème, une autre demande de sursis vient d'être rejetée par la Haute Cour de justice qui confirme l'exécution prévue vendredi de David Gale. L'ancien professeur de philosophie avait souhaité la révision du procès où il fut condamné à mort pour le viol et le meurtre de sa collègue de l'université d'Austin, Constance Haraway. Si aujourd'hui cette affaire fait encore l'objet d'une telle attention, c'est à mettre à l'actif de Gale et Haraway, tous deux anciens militants de Death Watch, association à but non lucratif pour l'abolition de la peine de mort. Avez-vous idée du montant prélevé aux contribuables de l'État du Texas pour mettre à bord un individu? Pourquoi sommes-nous tous ici? Allons, gouverneur, admettons tout autant que nous sommes que le système de peine capitale de ce pays est une aberration. Ouais. Ils ont jeté le sursis de Gale, ils en parlent à la télé, écoute. Les avocats de la défense espéraient donc faire entendre que le combat livré par David Gale contre la peine de mort aurait eu une incidence préjudiciable pour le système judiciaire du Texas. Il était convenu que Betsy obtenait l'interview s'il se voyait refuser le sursis. 2 heures d'affilée, 3 jours de suite. Mardi, mercredi et jeudi. Non, rien vendredi. Non. Parce que vendredi, c'est le jour de l'exécution. L'avocat a dit Betsy et personne d'autre. Ils vont l'exécuter. Chut. Ça veut dire Betsy et personne d'autre que Betsy. Je ne régente pas, Joe. Je t'en prie, tu sais bien que je ne suis qu'une bonne grosse blague. Plus urgent, c'est de la coller dans un avion pour le Texas. Quel problème juridique, tu vas où, là? Non, non, attends une minute, on arrive. C'était quoi, cette histoire de Betsy, personne d'autre que Betsy au téléphone? Ils te veulent toi, toi et personne d'autre. Quoi, qui ça, ils? Les avocats de Gale, plutôt, je devrais dire l'avocat de Gale, un de ces bons vieux péquenots d'Austin. Bon, et pourquoi moi? Tu vas me dire que le boulot t'intéresse pas? Non, non, j'ai pas dit ça. Non, je voudrais savoir pourquoi ce gars-là, condamné à mort sur le point d'être exécuté, a tout à coup envie de me voir. Je crois que c'est ton article sur les milieux pédophiles, celui qui t'a valu un séjour à l'ombre. Ou alors, peut-être bien qu'il a vu ta photo et qu'il a craqué. Bon, alors combien de séances il compte nous accorder? 3 entrevues, pas une de plus. À la première heure, vendredi, il est dans le trou. Ok. En priorité, je traite quel sujet? Viol, meurtre, couloir de la mort. L'individu est très intelligent. Et peut-être même qu'il est innocent. Ouais, sans blague. Non, non, dites-lui que je le rappelle, merci. Bien, qu'est-ce qui te turlupine? Bonjour Barbara, bonjour Betsy. Bon, voilà ce qui me dérange. En dehors du coût de la transaction, quoique 500 000 dollars en liquide pour 3 entrevues, vous conviendrez que le tarif est tout aussi illégal qu'obscène. Il n'y a jamais eu d'interview de lui, on sait que ça vaut de l'or. En dehors du prix, nous, à la rédaction, nous voyons d'un mauvais œil cet arrangement. Pourquoi? Betsy, pour n'avoir pas répondu à la convocation d'un juge, vous venez de faire une semaine de prison des plus médiatiques. Pour protéger une source?
Si vous voyez cet article d'un si mauvais œil, pourquoi l'avez-vous balancé au sommaire de l'édition internationale? Ce que je n'apprécie pas, ce qui nous déplaît, c'est qu'un violeur, un criminel condamné à mort, ait décidé de passer les trois derniers jours de sa vie à se révéler dans une interview, ce qu'il refusait jusque-là, à une jeune personne devenue célèbre pour avoir protégé on ne sait quel pervers sexuel, jeune personne plutôt attirante qui plus est. Oh, c'est quoi ce plan? C'est du sexisme primaire. Oh, je vous jure. Si j'avais une queue et une sale gueule, ça irait? Il y a certes un débat qui ne serait pas soulevé si vous aviez ce profil. J'entends déjà une horde d'avocats annoncer joyeusement Betsy Bloom contre News Magazine. C'est là, votre honneur, que j'ai eu conscience que mon sexe était le facteur le plus déterminant de mon CV. Non. Elle devrait déjà être au Texas. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et il le sait qu'il faut que tu y ailles. C'est bon, ça va, arrêter, rentrez les griffes. Mais le stagiaire vous accompagne sur toute la durée. Ok. Quoi? Le stagiaire? Non, enfin, tu plaisantes, Barbara. C'est bien ce qu'il a dit. C'est un gros naze. C'est le boss. Ne m'impose pas un stagiaire, je travaille seule, tu sais. Ce sera l'exception à la règle. Je fais pas de babysitting. Il y avait de l'ADN de Gail partout. C'était son sperme. Il a été vu sortant de chez elle. On a relevé ses empreintes dans la cuisine et sur le sac plastique. Juste un tiers de pouce, ok? Ok, un tiers de pouce qui suffit. Il a pu toucher le sac avant qu'on s'en serve pour un crime. Quand tu vas chez quelqu'un, tu trifouilles les sacs poubelles? Oui, je suis un fétichiste des matières plastiques ménagères. Je suis un vrai fondu du Tupperware. Tupperware? Tout ça pour te dire que le sac plastique traînait peut-être sur le plan de travail, je sais pas. Zach. Ouais. C'est un assassin, il va être exécuté et je te dirais même que c'est peut-être tout ce qu'il mérite vu ce qu'il a fait. Mais ce meurtre bâclé, ça lui colle pas. C'est une tête, il fait partie de l'élite intellectuelle, une mention à Harvard suivie d'une bourse à Rhodes. Il est titularisé à 27 ans, il a deux bouquins de publiés. Non, ce gars-là, c'est une bête à concours. Et regarde sa femme, une Grace Kelly en puissance. Vieille bourgeoisie fortunée, père ambassadeur en Espagne. Oh, ça y est, le voyant s'est encore allumé. On s'en cogne, c'est une location. Tu sens pas quelque chose, là? Et puis attends, on sait qu'il affiche 100% libéral. Les opinions politiques des gens n'ont rien à voir avec leur propension à commettre un crime. Que tu dis? Logiquement, quand un moteur se met à chauffer, ça doit sentir. 73% des tueurs en série votent républicain. Écoute, tu peux jeter ta clope, s'il te plaît, que je puisse sentir? Non, ça va être pire encore, balance-la dehors. Quoi, par là? Non, j'ai pas envie de polluer. Zach! Vraiment un truc qui cloche avec cette bagnole. Il a fallu qu'on tombe sur celle-là. C'est encore loin, Huntsville? Regarde, je vais m'arrêter. Les reporters de News Magazine, Betsy Bloom et Zach Stimmons s'arrêtèrent sur une aire de repos, voiture en panne. Ils ne se doutaient pas encore que les ennuis ne faisaient que commencer. C'est moi le reporter. Tu es stagiaire. Ouais, si tu veux. C'est chaud? Ah, tu m'étonnes. C'est peut-être logique en même temps. Je fais quoi, moi? Appelle la rédac, il te donne le numéro d'assistance du loueur. Ça passe pas ici. C'est la série. Faut que je pisse. Bonjour. Bonjour. Tu attaques tôt, félicitations. La zone non-fumeur est de l'autre côté, si tu veux y aller. Je parlais du bouquin. Ah.
Asthénie dialogique par David Gale. Ce mec est un génie. Quelle heure il est? 9h15. Il y a une dizaine de prisons dans le secteur. Le couloir de la mort est à Ellis. Mais il compte le transférer à Terrell d'ici la fin de l'année. Le fiancé de mademoiselle travaille là-bas. Mais son ex-petit copain travaillait à la prison d'Huntsville et les deux précédents à celle de Walker. Et là où les gardiens sont tous canons, c'est à Estelle. Seulement voilà, dit-elle, j'ai le popotin trop large pour réussir à accrocher un des gars d'Estelle. Il y a un quart d'heure de voiture pour aller à Ellis, ce qui veut dire qu'on a plus de 5 heures devant nous. Toujours éviter de manger dans un bistrot où les plats sont en photo. Je propose qu'on aille faire un tour à Austin, sur les lieux du meurtre. Il y aura sûrement matière à étoffer notre article, non? Ce n'est pas notre article, et ce n'est pas un article tout court, c'est une interview. Et un détail que tu ne dois pas perdre de vue, c'est mon interview. Ok. Et tu me conseilles de faire quoi pendant les 5 prochaines heures? Va flâner. Trouve-nous un vrai restaurant. Tu vois, Betsy, ta réputation de Doberman aux dents longues est loin de te rendre justice. C'est ma réputation qui nous vaut d'être ici. N'en déplaise à de nombreux confrères, je respecte les règles du jeu et ça a un nom. L'ambition. L'objectivité. Qu'est-ce que je vous sers, madame? Café, juste un café. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Les églises plus nombreuses que des bars tabac, aucun doute, on est bien dans le sud. Des prisons plus nombreuses que les églises, on est bien dans le sud. Ou non de cette situation. Notre tâche se limite à appliquer le système carcéral de l'État. Non, madame, oubliez ce qui se fait en France ou encore en Allemagne. Vous êtes au Texas et nous nous conformons aux lois du Texas. Mais à votre service, madame, c'est ça, au revoir. Merci, Margie. Correspondant Bloom et Stevens, je présume. C'est cela, enchanté. Ça va? Stimmons. Désolé, je ne ferai plus l'erreur. Je suis Duke Grover, directeur des relations publiques d'Ellis. Il est toujours très à l'aise avec les noms habituellement. Et ces temps-ci, je vais jusqu'à demander si vous préférez madame ou mademoiselle. Betsy, je note. Margie, je vous vole vos invités. Dac-o-dac. Déjà vu une prison, Betsy? Oui. Un couloir de la mort? Non. Vos cartes, comme à l'entrée? Toutes les exécutions de l'État du Texas ont lieu à Huntsville, dans notre annexe du centre. Mais le couloir de la mort se trouve ici, jusqu'à nouvel ordre. C'est là que résident à l'année les 442 condamnés en attente d'une date. La moyenne des séjours dans ce couloir est de 9 ans. Certains voient leur peine commuée, mais la majeure partie est exécutée. Bien. Vous n'aurez pas envie d'y prendre pension, mais je vous avouerai que c'est le but de la manœuvre. Carla, des invités de New York pour M. Gale. Je vois vos sacs, merci. Nous avons 3 mots d'ordre, sécurité, sécurité et sécurité. Vous me suivez ? L'espace visiteur est entièrement sous contrôle. Nous recommandons simplement de ne pas toucher la vitre, les produits d'entretien coûtent la peau des fesses. Vous ne portez pas d'armes, je suppose, Betsy? Ouais, mec, ça tente. Oui. Betsy? Désolée, non. Monsieur Stimmons, pareil? Non, aucune arme. Portable? Coupé, on capte pas. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à me les confier? Notre règlement interdit également l'introduction de sommes liquides importantes, ainsi que les chaussures laissant apparaître les orteils. Celles-ci font parfaitement l'affaire. Quand vous le sentez, vous pouvez y aller. Après vous. Mm-hmm. Merci, madame. C'est bien. Pourquoi les orteils? Ça leur monte au cerveau. À vous, monsieur Stimmons. Suivez le guide.
Bien, bien. Voilà, si d'aventure il survenait quoi que ce soit de dérangeant dans l'espace visiteur, nous vous demandons de rester à votre place. Et s'il vous plaît, veillez surtout à suivre les instructions de notre personnel compétent s'il juge utile de vous en donner. Bobby ?